c'est sans doute l'exposition phare de cette saison. La grande halle de la Villette accueille le plus mythique des pharaons, le bien nommé Ramsès le Grand, que l'on connaît sous le nom de Ramsès II. Le roi des rois fait une escale à Paris pour l'exposition de tous les superlatifs, déjà passés par Houston, Boston et San Francisco. Et pour l'occasion, une surprise de taille nous attend. Pouvoir admirer en chair et en os, ou presque, le cercueil de Ramsès II, trésor national égyptien qui ne sera présenté nulle part ailleurs en Europe. En tout, ce sont plus de 180 trésors inestimables qui nous sont présentés. Statues monumentales, colosses de 4 mètres de hauteur, momies d'animaux jamais sortis d'Égypte, masques royaux, sarcophages et précieuses amulettes ponctuent cette longue descente au royaume des morts dans les tombeaux de l'illustre souverain et de son épouse, la reine Néfertari. Le chemin vers l'éternité semble ici pavé de mille et une merveilles. Ramsès II nous apparaît ici comme le pharaon de la démesure. Conquérant victorieux, infatigable bâtisseur, guerrier à la reconquête des terres perdues de l'Empire égyptien et négociateur du plus célèbre traité de paix de l'Antiquité. Avec sa scénographie grandiose, l'exposition nous propose une immersion quasi mystique dans l'intimité du légendaire souverain, éternel colosse qui régna sur l'Égypte 66 ans durant, avant de s'éteindre à 91 ans. Une plongée spectaculaire vers l'au-delà qui s'achève sur les hauteurs du temple d'Abou Simbel grâce à une saisissante expérience en réalité virtuelle, nous donnant l'illusion de toucher du bout des doigts l'or tant convoité des pharaons.